Est-ce que vous me voyez maintenant? Attendez, bonjour, je parle. Oh putain, nickel. Bon, bah ça marche maintenant. Ça fait juste de rebooter la box, d'accord. Et Sims 4 ne répond pas. Ah. Voilà notre problème. J'adore parce que quand j'ai coupé le live, on était genre 5. C'était 5 à regarder en fait. Non. Ah, en vrai, je jure, tu me pètes des couilles. Hein. Heureusement qu'il y a mon bro là en bas, John Ember, c'est le putain. J'aurais tout envoyé se faire foutre quoi. Est-ce que vous aussi vous voyez un écran blanc? Parce que sinon vous avez bien de la chance. En gros, moi c'est ça. Incroyable, non? Ah, l'écran de nuit noire. Ah, le logo est apparu. Ah, vous aussi vous voyez. Ouais, du coup, il faudra que je devine les règles en fait. Bah écoutez, j'ai encore un écran blanc. Ah non, c'est bon, revenu. Pardon. Je suis très mauvaise langue. Ouais, du coup, j'ai parti me chercher à boire et jeter mon pot de nouilles. La 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 la. Je vous remets la musique. Je vous mets de musique d'Ibaudroit en fait, finalement. The beginning. Bon, on va pas créer des Sims, on va en prendre déjà prêt en fait. Et on va. On va faire du sale. Hein? Voilà.
Bon. Alors, première étape, faut qu'on fasse notre choix. Alors, attendez. Je pense que tous les Sims déjà qu'on voit là, on peut les prendre. Enfin, tous. Pas les vampires. Parce que les vampires ne meurent pas de faim. C'est bien sûr logique, hein, mais. Si, c'est bien ça. Je valide. Ah, mais elle attend l'enfant, elle. Du coup, je peux pas. Merde. Franchement, j'aurais bien aimé. Attendez. Par contre, faudra mettre des gars parce qu'il n'y a qu'un gars quoi. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. C'est je sais pas. Enfin. Putain, ouais, ça, il n'y a qu'un gars. Ah, non, il y en a un autre là. J'en cherche un autre dans le menu. En vrai, je l'aime bien, lui, ça me fait chier de le mettre. Bon, ça, ils vont pas vraiment mourir. Enfin, si, mais. C'est une sauvegarde à part, donc je m'en fous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nickel. Ah, j'ai envie de l'avoir crevé en vrai. Ouais. J'ai envie de la mettre, elle, hein, franchement, c'est. J'ai envie de mettre des Sims chelous en fait, donc forcément. Genre par exemple, E3, là, je trouve qu'ils ont rien à foutre là, surtout elle, parce qu'elle, c'est un truc en plus de Maxis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux en mettre deux autres, hein, donc je mettrai pas E2. Ah, je mettrai peut-être elle, mais pas elle. J'ai envie de mettre elle, putain. Est-ce que je peux pas la cloner? Attends, sinon, je vais lui mettre, ne peut pas tomber enceinte. Comme ça, elle pourra pas tomber enceinte. Ah, elle pourra pas avoir d'enfant. Ah. Elle sera avortée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut un gars, il y a trop de filles. Il faut un gars. Il faut forcément ajouter un gars. On va vous modifier tout ça, et comme ça je vais en profiter pour la mettre. Pour la rendre stérile. Faut que je désactive cette téléportation aussi, bien sûr, parce que sinon c'est de la triche. Ouais, lui, tiens. Toi, t'es bien. Toi, t'as un bon gars. Allez, viens. Pourquoi je peux pas le directement le mettre comme ça? Faut que j'aille pas par la bibliothèque. Ah, je peux pas le directement le mettre comme ça non plus. Ah bon? J'en ai combien des Sims, ça? Ah putain, bébé, parce qu'elle est comptée comme enceinte. Donc, elle compte comme deux Sims. Ça, j'ai fait le calcul vite, d'ailleurs, ça m'étonne. Merde, je peux pas la mettre du coup.
tu es enceinte, tu as un bébé dans le bidon. Un petit bébé dans le bidon. Merde, tu me fais chier, Karen. Je vais taper sur MSL, sirène. Ah oh, putain. Eh franchement, j'ai envie de dire, t'as de la chance, meuf. Franchement, t'as de la chance. Franchement, je sais pas comment dire ça autrement, mais t'as grave de la chatte. Parce que je crois que je dois te dégager, trop passer par quelqu'un d'autre. Ah! Du coup, je fais quoi avec elle? Ah, j'ai quand même envie de la jouer. Hein. Parce que j'ai pas une version d'elle. Mais avant qu'elle tombe enceinte. Avant qu'elle ait un bébé dans le bidon. Un petit bébé dans le bidon. Non, c'est pas elle. Non, je l'ai mise. Ouais, je l'ai mise. Sacré doute. Un bébé dans le bidon. Elle. Eh franchement, t'as de la chance. Je répète, mais t'as de la chance. Hein. Non, mais j'ai pas envie d'abandonner comme ça. Ça me ressemblerait pas. Ce n'est pas moi, ça. Ça, ce n'est pas moi, ça. Je vais la cloner. Ah, je peux pas la cloner. Putain, comment je pourrais faire? Faudrait que je fasse une copie d'elle, mais pas enceinte. Comment je pourrais faire une copie d'elle sans être enceinte? Je regarde Janemba dans les yeux et je me demande si Janemba a la réponse. Et Janemba me dit, est-ce que c'est si grave que tu prends une vieille version vu qu'elle va crever? Et Janemba a raison. Franchement, on s'en bat les couilles. Putain, il est trop classe. J'ai pas fait gaffe qu'elle avait une tenue trop stylée. Le mec, il suce la bite pour ses propres Sims. Oh, j'ai fait tellement bien mes Sims. Janemba, tu as raison. J'ai pas une autre. Non, je l'ai pas en deuxième. En fait, j'ai toujours dû la sauvegarder avant de la. C'est la même, c'est parfait. Ça va crever, on sait pas si ça va crever. Hein. Voilà. En vrai, on est bien là. On s'appelle tous les deux Kyle Rix, je crois. Toi, tu vas t'appeler. Toi, tu vas t'appeler Flore. Luc Flore. Voilà, tu t'appelleras Luc Flore. J'en ai rien à foutre de son nom. Oh, attendez, on va l'appeler Luc Flore Jess, comme le Pokémon. Putain, il mange vénère. Je savais que cette démarche existait. Ok, parfait. Il y a trois elfes. Trois la classe. Eh franchement, il y en a qui ont eu de la chance. Eux deux, ils ont eu de la chance. Elle, j'avais quand même envie de la buter. Hein. Mais il me fallait une fille. Il me fallait un gars. Donc, Ok, je vais les jouer. Je sais pas qui est surjoué quand je fais ça, putain. Je vais aller où ils sont. Non, c'est mal foutu, ça, je trouve. Hein. Tu te plains tout le temps. Bah oui, je me plains tout le temps, mais en même temps, parce que j'ai pas des raisons de me plaindre. Manor Strode. C'est quoi le Manor Strode? Ben c'est ça le Manor Strode. Parce qu'il y en a qui sont autre part. Ah oui. Tu es.
Enfin, je joue Edenis, bien sûr. Edenis, franchement, c'est mon étalon. Je compte sur elle. Edenis, ça va être ma gassure, comme on dit. Sinon, la musique, elle est. Ouais. C'est marrant que ça prenne autant de temps à charger vu que vous faites juste taper mes horloges 1000 fois et je vais me barrer. Ça va me prendre 10 secondes. Une maison bien remplie. Connaissance de nature. Ah ouais? Oui, c'est elle, putain! Un niveau 10 en herboristerie, il y a un niveau. Non, un niveau. Putain, j'ai déjà 10 en fitness. Oh. J'ai une Sims qui existe comme ça, qui a 1000 compétences en herboristerie. Motherload. Il faut que j'ai 500 000 en fait. Voilà, on est riche. Allez hop, on dégage. Bien sûr, on va mettre des paris, hein. Sûr, meublé. Sinon, il n'y a pas de frigo, on devrait les meubles. Oh, c'est magnifique. Alors regardez. Attendez, je regarde pas leurs besoins. Je vais essayer de faire des paris. Donc j'en vois une qui est dans le rouge et une qui est dans le jaune. Alors je pense que celle qui est dans le rouge, elle doit juste avoir envie de pisser ou un truc comme ça. Je pense pas qu'elle ait faim. C'est rare qu'ils arrivent et qu'ils aient faim. Koum petit chou. Salut MM7, je suis arrivé pour un truc incroyablement nul. Attendez quoi, il y a un problème. En tout cas, je mise sur elle. Pour moi, c'est elle qui va tout défoncer. Elle, ça va être la championne. Elle, c'est ma... C'est mon étalon. Ça se dit pas, mais pour une meuf, mais... Est-ce que c'est quoi qu'on dit pour une fille? C'est ma gagnante. Voilà comment on dit. Moi, je dis, celle qui va le plus se faire niquer la gueule, ça va être elle. Ah, putain, je le sens trop. Je pense que malheureusement, lui, il va crever. Moi je mise sur elle, hein. Elle va gagner, elle va survivre. Ok. Alors je rappelle juste un truc, s'il y en a un qui a le besoin de faim dans l'orange, je lui donne à manger. Le reste, on s'en fout.
Ok. Alors j'ai dit qui a gagné. Moi je pense que bah, Edenis va gagner du coup. La première. Je pense que la troisième va crever. Je pense que le dernier va crever. Les autres elfes, je sais pas. La jument. On connaît le mec qui s'y connaît pas en cheval. C'est parce que j'ai dit en cheval, alors je vais dire en chevaux. Ouais, non, je dirais alors. Allez, je vais mettre mes paris. Tu gagnes. Tu gagnes. J'ai qui d'autre qui va peut-être gagner. Je verrais bien gagner le deuxième ou elle là. Ouais, je l'avais. Ouais, franchement, E3, je les verrais bien gagner. Et le reste, je dis qu'il crève. Et je dirais qu'elle va crever en premier. Ouais, c'est ce qu'on va traverser. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on regarde les besoins. Et on va se faire une estimation. Oh putain, elle est tellement yimb! Oh! Non, attends, tu vas crever. Dans 7 minutes! Ah oui, quand même. En 7 minutes, en fait, là, si vous voulez, elle est déjà en train de se... Elle est déjà en train de se rincer le slip, quoi, en fait. C'est 7 secondes, 7 minutes. Ouais, en fait, t'es juste énervé, d'accord, pour rien. Ouais, putain, y'en a trop qui ont de la dalle, en fait. Je te l'orange, je les aide, mais en vrai, non. J'ai pas envie. Mais... Oh, putain, j'ai misé sur la bonne, je jure, j'ai pas fait exprès. Alors, attendez. Je suis sûr, j'ai vraiment dit au pif. Objectif, tu vas bouffer. Alors, je lance en deuxième vitesse. Je fais un par un. J'essaie d'aller le plus vite possible. Allez, c'est parti. Tac. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est bon, je crois qu'elle s'est chier dessus. Quoi. S'ils annulent leur interaction eux-mêmes, je peux rien faire pour eux. Genre, je n'y touche plus. Toi, par contre, tu vas là, parce que toi tu me championnes. Qu'est-ce que vous faites, bande de débiles mentaux? Ah, ils peuvent pas y aller. Attendez, il y a un problème. J'ai tout calculé, pourtant. Putain, je me suis fiché à le faire, en plus, j'ai pris 2 heures à le faire. Attendez. Ils vont par là, ils vont par là, ils vont par là. Je trouve qu'ils m'ont supprimé un escalier. En fait, quand je l'ai fait tout à l'heure, ils m'ont supprimé un escalier, le con. Ils vont par là, ils vont par là. Pour l'instant, je vois pas de problème. Hein. Attendez, mais non, je vois pas de problème pour l'instant. Voilà, et tous les accès sont là. Je vais faire un test, un truc con. Genre, est-ce que tu peux aller là? Ouais, tu peux y aller. Est-ce que tu peux aller? Est-ce que tu peux aller là? Non, tu peux pas y aller. C'est-à-dire qu'ici, il y a un problème. Putain, fais chier, quoi. Excellent. Voilà, mais j'ai pas la solution, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais bien sûr, je suis con. Ok, bah oui. Attendez. Non, c'est pas quelconque. Attendez, on va corriger ça vite fait, hein. Et on les renvoie.
je peux toujours pas y aller. Putain, mais c'est quoi le problème alors? Attendez, là j'ai tout réglé par contre, hein. Je suis désolé, il y a tout qui est réglé. Pourquoi tu peux pas y aller en fait, sale menteuse de merde? Là ils peuvent passer, on est d'accord. Non, mais j'ai pris 2 heures à la faire la map, j'ai même mise en ligne, donc vous me dites pas qu'il y a un problème maintenant. Là ils peuvent y aller. En haut là ils peuvent y aller. Est-ce que là tu peux y aller? Parce que j'ai oublié une porte, hein, c'est tout bonnement. Ok, là tu peux y aller. Ok, donc là, est-ce que là tu peux y aller? Non, il y a un truc qui la gêne. C'est-à-dire que là, ici, il y a un truc qui l'empêche de passer. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'accès là. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le problème. Du coup, je l'ai mise en ligne, mais excusez-moi, du coup, je vais la remettre en ligne maintenant. Maintenant. Hop. Ça y est, aucun Dunwald. Allez, tu peux le faire. Merci. On laisse corridor. Et c'est dans la boîte. Hop. J'en ai mis une deuxième, du coup c'est faut prendre. Si vous voulez le charger, c'est le deuxième que vous chargez. Les enfants. Oh. Allez. Pas le temps. Ok. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Ça va commencer pour de vrai cette fois, je vous jure. Bon, j'en repars rapide. Compote de pommes. Est-ce que tu peux y aller? Est-ce que tu peux y aller? Quoi? Ne dis pas que je viens de remettre une version en ligne qui marche toujours pas. C'est quoi cette fois qui va pas? Alors là, par contre, c'est pas la solution. Tu supprimes ce mur, peut-être que c'est ça. Hein. Je pense pas, je pense qu'il peut, peut faire le tour à côté. Et ils peuvent passer par là. Mais est-ce que tu peux aller en dessous? Genre là, est-ce que tu peux y aller là ici maintenant? Là, tu peux y aller. Donc, c'est à partir d'en haut. Donc, quand je monte en haut, je dois rencontrer un obstacle, mais lequel? Je fais le chemin. Donc, tu passes par là, tu fais le tour là, tu passes par là, tu fais le tour là, tu passes par là, tu fais le tour là, tu passes par là, tu fais le tour là. Pour l'instant, j'ai aucun problème. Tu passes par là, tu fais le tour là, tu passes par là. Est-ce que tu peux aller ici? Attendez, on va faire des trucs plus simples. Tu peux aller ici. Non, tu peux pas aller là. C'est-à-dire que c'est avant ici. Est-ce que tu peux aller là? Excusez-moi, on corrige des problèmes apparemment. Ah, tu peux aller là. Ça veut dire que c'est après ici. C'est-à-dire qu'il y a un problème là, quelque part, après là. Mais quoi? Franchement, quoi? Parce que j'ai pas la solution, en fait.
ce jeu, vous êtes nombreux en fait, enfin nombreux, peut-être 5, et 5 à attendre quoi. Qu'un connard a fait un truc qui va redevoir mettre en ligne d'ailleurs. Et le remettre ensuite en ligne encore une fois d'ailleurs. Putain, c'est qu'il n'y a pas de porte, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir. Ok. Je vois rien en fait. Attendez. Est-ce que tu peux aller... Est-ce que tu peux aller là? Oui, tu peux y aller. Est-ce que tu peux aller ici? Tu peux y aller. Et là. Ok, y a pas de problème. Ici, tu peux y aller là ou pas? Ah putain, mais ça va redescendre en bas. Quelle bande de connards aussi. C'est là que je te parle. Est-ce que tu peux aller ici? Ouais, tu peux y aller. Tu peux aller là. Ok, attendez. En haut. Dernier étage. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Je pense que c'est là qu'il y a le problème. Je pense que c'est ici. Est-ce que tu peux aller là? Non. C'est dans ce couloir-là qu'elle peut pas aller. Donc c'est dans ce couloir-là qu'il y a un problème. Mais alors lequel? J'ai pas la réponse. J'ai vraiment pas la réponse. Je suis vraiment désolé de vous faire perdre votre temps. Parce que... Oui, il y a un blocage là. Mais c'est pas ça le problème, si. C'est genre quand j'arrive là. Ah, peut-être. Attendez. J'ai mal calculé mon coup. Attendez. C'est-à-dire que je passe par là, j'arrive là, je passe par là, et là, c'est vrai que je suis bloqué, putain, ouais, merde. Du coup, la fin, ça serait ça. D'ailleurs, j'ai fait une version no CC, hein, comme on dit. Ok. Vous cherchez la troisième, du coup, version, je vais supprimer les deux autres, là. Ouais. Tac. Oui, écrasé. Bah, la deuxième, du coup. Tiens, j'ai la dernière. C'est bon. Maintenant que j'ai réglé le problème, tout le monde est parti, c'est nickel. On peut... C'est triste, mais c'est pas... Excuse-moi, faut que tu sortes. Allez, ici. Un repas rapide, une pote de pomme. Quoi? T'es en train de me dire que j'ai encore mis une mauvaise version? Mais c'est quoi le problème cette fois? Putain, tu me fais chier. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Ah putain, c'est quoi encore? Ah, mais bien sûr, mais oui, quel connard. C'est pas dans ce sens-là que je dois mettre la porte. C'est dans ce sens-là que je dois la mettre la porte. Et là, tu peux y aller. Je vous la remets pas en ligne, hein, vous vous démerdez. Je suis désolé, mais là, vous vous démerdez. Ah, dis-moi que tu peux y aller. Oui, tu peux y aller. C'est bon, putain. À qui la compétence fitness? Je crois qu'ils ont déjà la dalle depuis. Ouais, voilà, ils ont chopé la dalle. Manger un repas rapide. Une pote de pomme. Manger un repas rapide. Une pote de pomme. Manger un repas rapide, une pote de pomme. Manger un repas rapide, une pote de pomme. Faut que j'aille plus vite. Manger un repas rapide, une pote de pomme. Dès qu'ils sont tous rentrés, je ferme l'accès. Une pote de pomme. Nickel, il a compris tout seul. Et manger un repas rapide, une pote de pomme. Ouais, tu rentres. Tu rentres, faut que tu rentres, faut que tu rentres. Pac.
Ils sont foutus. Niqué. Niqué, niqué, niqué. Niqué. Moi aussi, je suis niqué. Ah, c'est bon. Parfait. Exactement ce que je voulais. Pas le droit de voir où ils sont, entendu. C'est plus marrant comme ça. Pas accompagné. Tu vas bien là, toi. Hein. Voilà. Qui va survivre, qui va mourir? J'aimerais bien voir en fait s'ils vont arriver jusqu'au bout. Parce qu'il y a quand même des couloirs sans fin qui sont quand même beaucoup plus longs que ça. Salut Blue, comment ça va? Je rappelle, hein, j'ai posé mes paris sur... les premières, deuxième, quatrième. Très bien, toi. Bah écoute, tout ça va nickel. J'ai plus l'ordre des couleurs par contre. Bah, attendez, je vais regarder vite fait là. Ok, le suivant c'est rose, jaune. Ok. J'en ai fait combien? J'ai fait qu'un truc! Ah! Quel enfer! Je sais plus comment je change de Sims. Ah oui, c'est comme ça. Attendez, c'est trop bien. Ah, y'en a une qui est vide derrière moi. Ah non, excusez-moi. Attendez, je suis où moi? Je sais même plus où je suis. En fait, quand ils ont envie de pisser, ils sont plus lents. Parce qu'ils marchent comme ça. Je regardais sa poitrine, non, je regardais sa démarche. Voilà, il a une démarche de canard. Vous voyez, il va plus vite, lui. Donc j'hésitais à mettre des buissons dans certains endroits, genre en mode strat, on va dans un buisson. On perd du temps, quand même, pour en gagner. Regardez, il est où j'étais tout à l'heure. Putain! C'est magnifique! La boucle est bouclée. Moi ça me fait trop rire. C'est qui est le plus devant, vous pensez? Genre ça veut dire qu'il est juste derrière le mur là, lui, attendez. Ouais ouais c'est ça en fait, il est là. Parce qu'en fait il est juste derrière là, ok d'accord. Ça me fait trop marrer. Ça me fait marrer, mais en vrai, c'est nul. Ah, mais moi, les Sims, c'est des trucs cons comme ça qui peuvent refaire des soirées entières. Attendez. Ah, il est plus là, l'autre. Elle a toujours envie de pisser, donc elle est ralentie. C'est important, l'urine, c'est une strat. C'est la strat de l'urine. Mais il est où l'autre alors? Bah, je l'ai pas vu. Ah, dommage, j'aurais dû mettre une fenêtre aussi là. C'est trop con. Attends, on va inspecter tout le monde. Attendez, on va me voir. Ah merde, non, on me voit pas. Ah si, ça y est. Il a une démarche.
Je vois pas où ils sont, attendez. Ah, on est dans le même... Attendez, du coup, on va voir. Voilà. J'aime bien cette partie-là parce qu'on voit les autres gens, en fait. Enfin, des fois. Ok. Toi, t'es là. En fait, ils sont pas très loin, eux deux, hein. Bon, elle est ralentie parce que l'urine. Attends, elle est quoi, au truc violet? C'est où le truc violet déjà? C'est pas au début? Je sais que le truc rose il est après le truc violet. Ah putain, ouais, ils sont grave en retard! Ah. Est-ce qu'elle va arrêter d'avancer du coup? C'est ça que je me demande. Ok, faut que je fasse attention à ça. Deux secondes, je mets pause. Oui, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ce que tu dis quand quelqu'un se casse la gueule, tu sais, et puis se dépaisse le genou. Oh, mais c'est pas très grave. Ok, attendez, elle, c'est dans combien de temps? Je surveille vite fait, 48 minutes, ok, faut que je surveille ça. Faut que je surveille, en fait, ceux qui ont besoin d'aller au chiottes, en fait. C'est triste à dire, comme je le dis, mais c'est vrai. Hop, on reprend. Ou alors, attendez, non, je vais la laisser pour la science, l'autre. Voir si elle va y aller toute seule. Couloir saumon. Alors, je leur donne des noms, mais en vrai, à la base, j'aurais pas donné de nom. Je sais même plus c'est qui. Quoi le dernier couloir? Quelle couleur il est? Attends, il y a de la fenêtre. Ok, putain, je suis bientôt arrivé. Attends, on a vu quelqu'un d'autre passer par là. En fait, dès que je vois le cadre jaune autour de la quatrième, je sais que elle va arrêter. Attends, je vais surveiller ce qu'elle fait. Ah, et donc elle a quand même décidé d'y aller. Ok, d'accord. Donc, et il va automatiquement, d'accord, ça va. Je veux dire, t'as les proches, mais non, en fait, je confonds Karen et Denis. Et Denis, c'est la première, pour ceux qui ne savent pas. Sans regarder en fait l'ordre en bas. De toute façon, Janemba il vous dérange pas. Attendez, je vais enlever Janemba parce que j'ai l'impression qu'il vous dérange. Vous pouvez pas voir les Sims. Attends, je vous laisse sur elle, ça vous va? Attendez, quoi que non, il y a Edenis qui a. Voilà, ils ont passé le couloir. Ah voilà. Attendez. Deux secondes. Merde, ma coiffure est horrible. Excusez-moi. Janemba, où es-tu, Janemba? Janemba, c'est un délire en fait, on a eu en soirée hier, du coup maintenant il atterrit là. Voilà. Un délire d'un film de 48 minutes. Je savais pas qu'un film pouvait être aussi court. Je suis là, Janemba. Janemba, je vais le décaler. Je vais le foutre là, tu vois. Ouais, mais non, c'est sûr. Regardez, on va le mettre à Janemba. Voilà, ici. Derrière moi ou pas? Non. Non, on a à peu près la même distance. Je pense qu'on va se faire rattraper quand on aura l'envie d'aller au chiot. D'ailleurs, c'est qui les suivants? Tout le monde va courir. Ah non, j'ai cru qu'elle courait. Dommage. Je sais pas où vous êtes vous en fait là. J'arrive pas. J'aurais dû me faire j'aurais dû me prendre une screen et la mettre dans un coin pour voir la gueule en fait par rapport où on est. Mais c'est marrant de pas savoir où on est aussi et de pas savoir où les autres sont en fait, d'essayer de deviner. Putain, il y a le sommeil aussi, j'ai oublié ça. Le sommeil c'est encore plus chiant en plus. Encore 3 je crois des couloirs. Enfin 3 machin passé. Il y a 4 étages je rappelle.
Ok. Et de toute façon, c'est la dernière qui aura envie d'aller aux chiottes. Par contre, elle va vite être fatiguée. Tous en fait. Ah, éteins les ralentis, ça y est. Voilà. Allez, je le double. Attends, elle va pas être tout fatiguée, c'est bien ça. Putain, c'est. Ah, maintenant, c'est l'autre. La vessie qui. Je regarde 3 barres, c'est énergie, vessie et. Enfin. C'est moi où tu cours? Non. Putain, l'énergie, j'ai l'impression que ça les ralentit pas, c'est bien ça. Je vais voir si je vais les voir, ils sont vraiment loin ou pas. Je sais pas à quel point ça ralentit en fait. Putain, elle, c'est vraiment ma championne quoi, c'est. Pff, la meilleure. Non, on les voit pas. Là, du coup, faut aller à l'inverse, en fait. Faut aller par là, ici, en fait. Et là, c'est d'où on vient, en fait. C'est, en fait, les étages font ça, en fait. Cet étage-là est spécial, parce qu'en fait, on va à l'envers. On va pas au milieu, on se dirige vers l'extérieur du milieu, en fait, du bâtiment. Je vais qui a passé devant moi, c'est qui? C'est elle? Non, je pense pas que c'était elle qui est passée devant. Qui est où lui? Ah, peut-être finalement, parce que regardez. Ah, je sais plus, bah, je sais pas en fait. Ah. Vous voyez en fait, elle se dirige vers l'extérieur. D'ailleurs, ça n'a pas changé. C'est pas grave, j'aime bien cette tenue hiver. D'accord, mais aucun sim s'appelle Ombre en fait ici. Oh, trop cool. Imaginez d'un coup on passe tous en même temps devant la vitre. Et genre on se voit tous comme ça. D'ailleurs j'ai fait un couloir de deux segments comparé à tout ce que fait tout le monde, tous les autres gens. C'est pour éviter que les sims se marchent dessus en fait. Putain. Enfin, meilleur en fait c'est trop facile. J'aurais dû faire un truc plus grand genre en prenant deux dès le sous-sol en fait. Mais en fait non, c'est pas si facile que ça. Ça, tu voyais le truc au loin là, je crois que c'est un satellite. Oh là, je suis à la fin! Mais il s'est arrêté l'autre. Pourquoi il s'est arrêté? Tant pis pour lui, hein. Attendez, il faut que je surveille mes champions quand même, hein. Ah, il est grave ralenti, regardez, le temps qu'il a perdu! Oh putain, mais elle a dépassé! T'es grave en retard au début en fait. Attends, on voit Edenis là-haut. J'ai l'impression qu'elle est ralentie. Non, bientôt, putain. Ça me fait mal au cœur quand Edenis ça va se faire doubler. Les jeux du cirque.
C'est vrai qu'on est passé devant des flaques d'eau, on les avait même pas vu en fait. Très meilleur ça. Oh! C'est-à-dire que Denis est allé en haut? C'est qui est le plus derrière et Denis? Putain, si c'était pas repeint les murs, je suis vraiment un gros connard. Vous êtes à combien des shots là? J'ai l'impression que ça fait vraiment 3 ans. Excuse, mais je comprends pas l'idée. En gros, c'est un couloir sans fin. Et à chaque fin de couloir, il y a le couloir, si tu veux, prends un escalier pour monter et refaire un couloir sans fin. Il y a 4 étages. Et en fait, le but, c'est de voir quel Sims sera encore vivant à la fin. Du coup, j'ai fait des genres de paris. Enfin, des pronostics à la con. Et pour moi, je t'explique. Elle, je pense, ça va être la grande gagnante, tu vas arriver en premier. Bah, pour l'instant, elle a perdu sa place. Je pense que lui va survivre. Elle va survivre. Je pense que tous les autres vont crever. Mais en tout cas, ma mort sûre, je mise sur lui. Lui, je suis sûr, il va crever. En gros, c'est ça, mes paris. Voilà. Donc, l'inverse d'elle, quoi. Et en gros, j'ai pas le droit de regarder la map en grand. La map, on la regardera à la fin, mais dans une heure, c'est fini, hein, je vous le dis. Putain, il est KO, quoi. Je regarde elle parce qu'en fait, devant, il y a 2 personnes. Une survie, c'est pas des flaques d'eau sur le sol. Voir s'il nettoie ou pas, en fait. C'est ça que je me demande. Non, il nettoie pas. Et il repart direct. Ok. Il va tomber dans les pommes. Bouge ton cul, toi. Regarde sa tête café, elle fait trop de la peau. On se déconne. Derrière toi. Ils me font pas de la peine, bien sûr. Est-ce qu'elle va repartir? C'est ça la question. On fait coucou? Je sais pas. Ah oui, il y a devant. Allez, ma championne! Putain, elle est ralentie! Alors, les couloirs, enfin, les trucs quadrillagés comme ça, ça veut dire qu'on est au 3ème étage. Rien, ils vont crever, c'est sûr. Allez! Je sais pas quelle heure il était Sims quand on a commencé. Au début, je pensais, elle était tellement bien au début, je me suis dit, je pense que ça va être trop facile. Elle va arriver avant même que genre un seul de ses bourgeois descende jusqu'en bas. Et en fait, finalement, bah non, pas du tout. Je pense que ça va bien rincer sa gueule. Elle va peut-être pas tomber dans les pommes, par contre. Je sais pas c'est qui est premier là. Je sais pas c'est qui qui est premier. Parce qu'elle est grave ralentie là du coup. Bah ils sont où les fenêtres là? J'attends de voir les fenêtres moi. Bon c'est qu'il y en a encore qui sont en bas. Putain ils sont même mine que moi. Sérieusement? Il a fait vite le con! Chemin de la gloire. Même qui derrière moi, je sais pas qui c'est.
Ouais, d'accord, en fait. J'étais grave ralenti, en fait. Attendez, quoi? C'est pas drôle, en vrai. Bonjour. Tiens, ah, je te réveille. Allez, cours! Attends, je suis dans quelle couleur? Vert? Toi, t'es dans blanc. Ah, c'est viandé la gueule. Pff, c'est quoi lui? Dégage. C'est ça, voilà, c'est pour ça exactement que j'ai mis en fait des trucs à deux places. C'est juste pour prévoir ça en fait. Ah, t'es encore en bas? Il est mort, lui il est mort, lui c'est obligatoire, il est mort. J'annonce. Pour l'instant, elle a jamais été interrompue. Hein. Putain, t'as déjà envie de pisser, c'est incroyable ça. J'étais persuadé qu'elle allait faire tout le long sans avoir envie, t'as déjà un peu envie. Après les sims c'est du hasard. Franchement c'est du pif. Hein. Les besoins, ça qui est bien fait d'ailleurs, je trouve. C'est que c'est random en fait. Attendez. Ah merde. Va prendre ta douche. Et cours. Ah yes, par contre. Allez ma championne, fonce! Là franchement on arrive vers la fin, je me demande s'ils vont survivre. Même Jan Emba au-dessus de moi se demande si je vais survivre. D'ailleurs, Blue, c'est toujours là. T'en penses quoi de Jan Emba, mon fidèle assistant? Il se trouve au-dessus de ma cam parce qu'il gênait en bas. Allez! Pourquoi son téléphone? Elle s'arrête toutes les secondes avec son téléphone. J'ai vu tout à l'heure à la fenêtre, elle faisait ça aussi. D'accord. Ok. Putain, c'est cool. Attendez, je vais en profiter parce que du coup, il est vraiment pas loin. Franchement, il est pas allé loin du tout, le mec. Hein. Bah, vas-y, avance. Non, mais lui, vous savez où il est là? Il est au tout premier, il est au tout premier couloir en fait. Enfin, au tout premier couloir du deuxième étage. Putain. C'est une flaque en plus juste devant elle. Donc comme quoi, c'est un peu cohérent. T'es grillé, meuf. Je crois que j'ai vu. Putain, elle aussi, elle est là? Ouah, elle a pas avancé. Je te rappelle, on se dirige vers le milieu, du coup, en fait, plus t'es près bah, du mur où ils étaient, bah, moins t'es... De toute façon, tu cours. Non, c'est quand ils sont fatigués, ils vont un peu plus vite. Pour le coup, je pensais que c'était l'inverse, en fait, non. D'ailleurs, anecdote, s'ils ont envie de pisser, mais qu'après, ils ont envie de dormir, et ben du coup, leur... Ils vont avoir des marches quand ils ont envie de dormir, et du coup, ils vont plus vite. Putain, j'aurais dû monter des paris avec le Discord.
Ça, c'est l'avant-dernier, le multicolore. Après, on va revoir un noir et blanc, comme le premier, juste que le sol va être différent. Et ensuite, on est au quatrième étage, et ensuite, bah, c'est la fin, du coup. Allez, allez, avant de tomber dans les pommes, s'il te plaît, traverse. Allez, ma championne. Allez, ma championne. On encourage tous, et Denis. J'adore, en fait, que j'en ai rien, vas-y. Juste avoir monté l'étage, après je vais voir les autres. Ouais, donc vous pouvez pas passer par la gauche. Donc c'est la première étron, je crois, attendez, vérifier. Ouais, c'est la première. Putain, j'ai parié sur... Putain, mon pari était bon, quoi. Attendez, peut-être qu'elle va crever, on sait pas. Imaginez, c'est la seule qui survit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fonce. Oh non, t'étais bien parti. Pour vous, je peux pas aller leur indiquer où ils doivent aller parce que je vois rien avec eux. Tout, faut pas que je les regarde. Quoi? Sinon ils deviennent cons. Ils font rien. Non. Allez, vas-y, c'est... Là, c'est la fin, en plus, au bout, c'est la fin. Putain, il y a encore un truc géométrique, là. Je vais changer des couleurs, faut que je corrige ça. Je vous corrige ça après, et... je vous remets ça en ligne. Promis. Du coup, ça me perd. Putain, son énergie est pas trop bas. Je crois que c'est parce qu'elle a le trait actif et quand t'es actif, du coup, ton énergie baisse légèrement moins vite. Faut que tu saches. Ouais, du coup, il y avait un couloir, j'ai oublié de changer la couleur, excusez-moi. Je le ferai ça après, avant de le remettre en ligne. Allez! Putain, regardez, ils sont cons en vrai. Hein. Je crois qu'elle, c'est la plus proche en plus. Hein. Alors elle va bientôt arriver là, voilà. Regardez. La deuxième du coup je pense. Je crois que le plus loin c'est le gars à la fin, l'avant-dernier là. Je sais plus comment il s'appelle. Je m'en fous. Non, avec la lampe qui flotte, excellent. Oui. Même si j'ai absolument pas parlé sur toi. Guise moche. Allez, allez. Champion du monde. Mais qui va crever en premier en vrai? C'est pas toi. Bon, tu t'es allé par terre, mais t'es pas morte. Ah, peut-être toi. Peut-être toi. Pas toi. Peut-être toi. Peut-être toi. Je sais pas. Pour moi, c'est la meuf, la quatrième. Bon, c'est chiant parce que j'ai parié sur elle pour le coup. Je suis en donjon, je parle pas trop, mais t'inquiète, mec. Moi, je commente mon incroyable run. Enfin, mon reste. C'est un speedrun. Mais... Allez! Ça prouvera que les elfes de la nuit sont supérieurs aux sacres nuits et aux humains.
Putain, le pire c'est qu'elle va vraiment s'en sortir, ma meuf. Hein. Je suis sûr qu'elle peut y arriver avant qu'elle tombe d'énergie. Où s'en sont les autres? Ah, oh, il va bientôt arriver, lui. Attendez, on va rester sur lui jusqu'à ce qu'il arrive. Ah, bah, aussi. Allez, avance, toi, là, tu gênes. Oui, tu pues, dégage. Si, il donne un gros kick. Ce serait cohérent. C'est moi, il est reparti en arrière. Attends, quoi? Il est reparti en arrière, mais pourquoi? Putain, heureusement que j'ai surveillé, ils font des conneries. Putain, faut que je surveille Denise, du coup, soit on va faire de la merde elle aussi. Faut pas qu'elle perde Denise, hein, j'ai parié sur elle. En fait, faudrait limite les faire passer un par un, mais ça serait trop long en fait. Pour pas qu'ils se parlent entre, pour pas qu'ils essaient de se parler entre eux et tout, puis que tu puisses en surveiller vraiment un par un. Puis c'est plus drôle en fait, on se voit et tout. Enfin, au début, c'était marrant parce qu'en fait, on se voyait genre à travers la fenêtre et tout. Allez, c'est là, c'est juste derrière en plus, pour de vrai. Ok. Oh putain. Elle va crever. Oui, ça va aux toilettes. Attendez, ça s'est arrêté, pourquoi? Ah ok. Mais lui il est méga loin. Attendez, mais regardez où il est. Même son pote, il est plus proche, quoi, enfin, son pote. Oh non! Après, je dis ça, mais finalement, les autres aussi sont cassés la gueule plein de fois, mais ils sont pas morts. Ça, c'est vrai que c'est un sorcier, lui, aussi. Cours! Cours! Sinon, ce que j'aurais dû faire, c'est leur mettre tous le trait solitaire, comme ça ils n'auraient pas cherché à se parler entre eux. Quand ils font rien, faut pas les regarder en fait. Sinon, ils vont pas faire leur vie. Ils vont faire autre chose. Oh putain, ils tombent à la pomme tous. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je sais plus dans quelle direction je dois aller, sauf que je suis à l'envers là. J'en sais rien. Je voulais mettre des panneaux au début sur les murs, je l'ai pas fait. Je veux pas savoir si je suis à l'envers en plus, c'est chiant. Attendez, je crois que c'est l'arrivée. Mais oui, ça ressemble à l'arrivée. Oui. Et en fait, non plus du tout. Je rage un peu en vrai. Non, je rage pas, mais. Ça ferait un peu chier quoi. Après, ils pourraient tous mourir, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est une sauvegarde. C'est une sauvegarde à part. Allez, dépêche-toi, marche. Allez, s'il te plaît, vas-y. Avance. Putain, elle est encore au quadrillage! Ah non, le quadrillage en bas. Parce que c'est couleur unie, cercle, quadrillage et dégradé. C'est qui lui? Ah, c'est le sorcier. Le sorcier au début était devant moi, hein. Je rappelle, hein, il était devant Edenis. Putain, quelle connasse. Oui, tu vas y arriver. T'es la meilleure, c'est au bout. T'es tellement fière d'elle. Je suis allé, putain. Oh.
c'est la win. En vrai, je suis arrivé, je m'en pose. La fin était où? Ok, j'étais même pas en train de crever de faim. Une meuf par terre. Une meuf en train de déprimer. D'accord, donc elle allait bien dans le mauvais sens en fait. Bah même comme ça, je peux pas vous dire en fait ça va dans le bon sens ou le mauvais sens. Attendez, du coup je change quelques trucs. Putain, ça rame du cul. Finalement, je vais pas modifier ça pour l'instant. Excusez-moi, je retourne là-dessus. C'est passé une journée entière, n'empêche. J'aurais quand même dû mettre un sous-sol en plus, ça faisait trop court en fait. Il y a un mec qui est quand même là. C'est... Il vient juste de monter. Hein. Il n'y a pas plus nul que lui. On est d'accord qu'il n'y a personne qui est en dessous. Non, ça aurait été vraiment nul à chier par contre. Attends, je vérifie quand même parce qu'on sait jamais. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai barré l'entrée. C'est parce que pas qu'il retourne en arrière en fait, c'est pas qu'il sort du bâtiment. C'est pas seulement pour les bloquer, c'est au contraire plus pour les aider qu'autre chose, parce que sinon ils vont se perdre comme des débiles dehors et puis du coup ils vont crever de faim comme des idiots. Enfin, c'est pas incroyable quoi. Il y a des plus belles morts. Autorisez-vous X-Speed, bien sûr, parce que en fait, si tu veux, je vais vraiment servir de X-Speed pour faire mon live, espèce d'enculé. Ok, on va retourner voir ce que font les autres. Ça rame. Je sais pas pourquoi. Allez, je vais les aider. Je vais aider les mecs et les meufs un peu perdus. Ouah, ça rame beaucoup trop là. Ah mais c'est vrai que t'es dans un étage toi. Ça fait comme tout à l'heure là, j'ai débranché ma box. Donc j'espère que je vais devoir faire ça. Va dormir. Voilà, va manger. Va manger. Va dormir. C'est bien, je surveille. Hein. Ah merde, du coup ça marche pas, faut que je sois en mode contrôle première personne. Va ici, toi. Toi aussi, viens là. Putain, ils vont s'en sortir. Incroyable. Souvent les mecs, je vois qui font ça sur YouTube, ils sont... Enfin, je me dis, mais en vrai les mecs, enfin, ils laissent leurs Sims faire n'importe quoi, et du coup t'as des Sims, enfin, ils évitent de trop le montrer, mais t'as des plans que tu peux le voir. T'as des Sims, ils sont devant l'entrée, quoi, enfin. J'exagère peut-être un peu, mais ils sont vraiment pas loin de l'entrée, quoi. Comme tu vois, ils font n'importe quoi. Alors, ils retournent en arrière, ils retournent en avant, ils se parlent entre eux, ils sont sur leur téléphone. Du coup, je surveille un peu les miens. Je m'en fous de ta vie. Ah, c'est que t'es tombé dans les pommes, c'est pour ça. Ils font ça sur YouTube MDR. Et je voulais voir si c'était marrant, effectivement c'est marrant, mais bon je l'ai fait à ma sauce. Hein. J'ai mis des fenêtres, j'ai fait ça à la première personne. C'était une question, ouais ils font ça sur YouTube. J'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. Mais là ils font ça avec des piscines. Hein. Et des piscines c'est encore plus horrible. Parce que pour le coup tu peux vraiment pas gagner. En live, ok. Allez! Non, mais sur YouTube, c'est des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, oui. Genre, c'est long et chiant. Le pire, c'est que des fois, genre, j'en ai vu un, genre hier, j'ai regardé le mec. Oh, insane! Il s'est écoulé 3 jours Sims, parce que là, le mec que je vous parle a fait un truc vénère. Genre, il a fait un sous-sol.
Et il a fait des couloirs pire que ça. Et là, j'ai pas pris la plus grosse map. J'ai pris la map en dessous de la plus grosse parce que sur la plus grosse map, je vais construire un château. Le mec, c'est un malade. Il était en première vitesse, hein, je tiens à le dire. Des moments, il passe en deuxième quand même. Mais sinon, il était en première vitesse, mais c'était un malade mental, quoi. Après, il est youtubeur, donc il a du temps à perdre, tu me diras. C'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Moi, je serais youtubeur, je prendrais plus mon temps à faire des merdes. Re-Blue. Du coup, Blue, j'ai gagné mon pari, hein. Et je vous jure, c'était vraiment pas calculé, hein. C'était vraiment pas fait exprès qu'elle a gagné. En vrai, le seul avantage qu'elle avait vraiment, c'est qu'elle était devant la porte. C'est le seul avantage que je lui ai vraiment donné. Mais c'est parce qu'elle devait tester les trucs. Elle est partie en premier, mais partie en premier, c'est normal, parce qu'elle était en numéro 1 de la liste. T'en vas prendre ta douche. En fait, le piège, c'est que des fois, ils retournent en arrière pour se parler entre eux. Il y en a un, je sais pas qui c'est, je crois que c'est lui. Lui, il a crevé, hein. S'il meurt pas, ça prouve que mon truc était mal branlé, en fait, et que c'était trop facile de gagner. Ça prouve que j'aurais dû rajouter au moins un sous-sol. Il vient de se casser la gueule, à gauche. Je sais pas si vous la voyez. Allez, cours, tu vas y arriver! Dire qu'en vrai, c'est se téléporter, elle. J'ai enlevé son truc de téléportation, du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Mais cours, toi, là! Lui faire une sieste. N'importe quoi, sale menteur. Tu me donnes que tu veux mourir, tu es complètement con. Non, en vrai, lui, je vous avoue, sincèrement, s'il survit, je comprends pas. C'est le mec le plus... Enfin, c'est juste que j'ai mal branlé mon truc, hein. Ouais, dans 20 ans, non, je pense qu'il va survivre. Tu sais quoi, on va mettre en troisième vitesse, on va voir ce qui se passe. Non, il vient de retourner en arrière, j'en ai rien à foutre. Après, en vrai, c'est pas incroyable, hein. Attends, je vais surveiller ce qu'ils font. Ouais, ok, c'est cool, ta vie est magnifique. Toi aussi. Dix-huit heures. Bientôt. Ah, c'était plus que bientôt finalement. D'ailleurs, ouais, la vessie comme énergie, ton Sims n'a pas besoin d'être à... d'être genre tout en bas en fait. Genre même avance, ton Sims peut directement lâcher en fait. Dans les pommes ou bah vider quoi. C'est un truc qui est bien foutu, je trouve. Elle a fait sa vie tranquille, elle est aux toilettes. Elle va manger dans le frigo, elle a un lit. La vie est belle. N'est-ce pas, madame? Maman qui crève tous. Enfin, ils crèvent tous. Juste un qui pourrait crever. Les trams avec de la neige dessus, je sais pas si ça existe vraiment. Qui est ça? Mais lui, il est nul à chier. Ouais, c'est comment? Manger un repas rapide. Mais oui, vas-y. Je vais ralentir à mort, putain. Attends, je passe en troisième vitesse.
Au début, ça, c'était super fluide et ça, après, ça commence à ramer. Je sais pas pourquoi. Du coup, Blue, t'as pas entendu quand je t'ai parlé de mon magnifique assistant au-dessus de ma cam. Voilà. Hein, je répète hein, ce que j'ai dit, mais. Ça vient dans le. Ça... Ça vient d'un délire qu'on a eu hier en soirée, voilà. Non, j'ai renvoyé, ils étaient morts de rire. On dirait que je regarde. Ça va, Janemba? Est-ce que tu passes une bonne journée? Est-ce que tu aimes les Sims? Sinon, y'a qui est mort là? Ah, y'en a une qui dort et elle a pas de lit. Ah si, putain! Et c'est marrant parce que lui il était vraiment à la fin quoi en fait. Il était vraiment genre nul à chier. Genre t'as pissé. T'as pissé par terre et elle s'est allongée dans ta pisse. D'accord. Nickel. Ah quoi que c'est peut-être elle. Enfin je sais pas en fait. Tout ce même lui en fait. Genre ça c'est con quand même d'arriver là, tu pisses devant les chiottes. Ah, ah ils sont tous arrivés. Putain. Vous avez tous survécu. Incroyable. Si j'ai entendu, j'aime pas trop. Oh bon. Bah t'as le droit de pas aimer, mais pourquoi t'aimes pas? Je suis curieux pour le coup, je trouve c'est des vrais arguments, peut-être que je vais devoir l'enlever maintenant. Il est adorable. Est-ce que c'est pas la créature la plus adorable que vous avez vue de votre vie? Excusez-moi, je vais le montrer en grand parce qu'apparemment la France n'est pas au courant que Janemba participe au live. Voilà. Coucou, je suis Janemba. Merci à toi, méga jam. J'ai pas déjà follow il y a 5 minutes. Mais merci à toi. Ce mec t'avais déjà follow. J'ai des problèmes. Ils ont tous survécu? Putain, j'ai raté mon truc. J'ai raté ma vie. Ils ont tous survécu. Merde. Au moins j'ai gagné mon pari, c'est elle qui arrive en premier. Eh. Mais après vous savez, vous pouvez follow autant de fois que vous voulez. J'ai aucun problème au contraire. Putain j'aurais pu rejeter un sous-sol en fait. Ouais. Mauvaise nouvelle ça comme tu dis. Qu'est-ce que je pourrais faire du coup? Il y a un truc qui est marrant à faire, enfin marrant. Qui est sadique à faire, mais on n'a pas le temps de le faire réparer en gros. En gros, il nous faut. En gros, le truc c'est. T'as genre une pièce avec avec une jardinière et un pommier et n'importe quoi, tout ce que tu veux. Et à côté, t'as genre t'as des. J'appelle ça des cellules où tu mets des Sims. Et genre, tu mets 7 Sims dans les cellules et tu mets un Sims dans la jardinière. Et en gros, le Sims dans la jardinière, il doit récolter des pommes, des fruits, n'importe quoi. Pour les donner aux Sims dans les cellules. Et en vrai, c'est impossible de réussir sans que t'aies un Sims qui crève. Je vous jure, la première fois que je l'ai fait, il y en a deux qui ont survécu. Parce que si vous voulez, le temps juste que le pommier et le truc qui taille pousse, si t'en as juste un qui a la dalle, il va crever. Et en plus, faut pas que ton jardinier crève. Parce que si ton jardinier crève, bah, t'as plus personne pour récolter les fruits. Voilà. C'est un concept. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai vu personne le faire sur YouTube, donc je vous balance là comme ça. Tiens, ils ont tous survécu. Merde.
T'as combien, lui? Attends, en moyenne, je vais voir combien de fois ils sont tombés dans les pommes. Ah, que deux? Ah ouais, deux. Et six évanouissements. D'accord, j'aurais vraiment dit l'inverse, franchement. Bah, peut-être pas, mais... Genre, peut-être 4 évanouissements et 6 accidents de vessie, quoi. D'accord, putain. Du coup, la prochaine fois, faut faire quoi pour les aiguiller? Bon, la prochaine fois, je joue aux Sims, mais... Bon, mais j'ai arrêté mon live là, du coup. Bon, du coup, j'espère que ça vous a fait rire. Moi, en tout cas, j'ai bien rigolé. C'était des bonnes grosses barres. Qu'est-ce que je vais faire d'eux, je sais pas. Ça sera à essayer. En vrai, en live, pourquoi pas. Mais ouais, en live, pourquoi pas. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Deux secondes, attendez. Pour de vrai, même si ce live n'avait absolument zéro intérêt, moi, je me suis tapé des barres. Et ça, c'est le plus important. N'est-ce pas, Janemba, mon fidèle ami? Attendez, faut que je regarde par où pour que je regarde vers lui. Alors, Janemba, tu as bien aimé ce live? Oui, j'ai bien aimé. C'était vraiment marrant. Putain, j'arrive pas à le bouger. Je vais le faire sautiller comme un débile. Putain, merde, il est bloqué. Ah, mais normal, c'est que mon truc en fait est mal baisé. Attendez. Oh là là, j'ai vraiment bien aimé. C'était très marrant. Tu vois, je t'avais dit, Janemba, que tu aurais aimé. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Bon, maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller m'enfiler une bière. Parce que j'en ai une dans mon frigo, donc je suis content. Et je vous dis, du coup, à demain pour peut-être des Sims. Mais en tout cas, Dofus, ça, c'est quasi sûr. C'est sûr, mais genre à 95%. Allez, je vous dis au revoir. Janemba aussi. Janemba vous envoie de l'amour. Ce personnage n'aurait jamais dû apparaître dans ce live. Bon, allez. Pouf. La bise. Je coupe le son. Thank you.